Oui, dans la vie, je pense. Je ne sais pas s'il y a un autre choix. Ce conseil municipal, effectivement, aurait pu être décalé. Non, nous avions des réponses par les questions. Qu'est-ce que constituait le bureau? On a fait l'appel nominal des membres du Conseil. Nous sommes combien? Il y a combien de personnes? 13 avec un retard. Ah non, mais pour l'instant, on est 13. Nous sommes 12. 12. Nous sommes 12. Ah non. Si moi, je veux bien. Je sais pas, vous faites voter. On va attendre, on n'a pas voté, on n'a rien délibéré, ça attend. Mais je suis doyen de séance, c'est pas vous, vous êtes pas en journée. Je pose la question, soit je vote, on attend. On va éviter de durer trop longtemps le conseil par rapport au Covid. Non, on attend 5 minutes. C'est quand même je pense que c'est pas la fin du monde, 5 minutes. Non. C'est la correction, c'est relativement important, vous le comprendrez. Et le fait que vous commenciez par faire des questions, ça aussi, ça prend le temps. Et on prend le temps d'y répondre. Et par on a qu'à faire les questions d'hiver en attendant. Si vous voulez, monsieur. On fait les questions d'hiver. Je voudrais pas qu'il y ait des erreurs de procédure. On n'a pas modifié l'ordre du jour. Je pense que on va demander à M. Dupont s'il est là. Il n'y en a pas beaucoup. Je n'ai pas commencé l'élection. À tout de suite. Ça marche. Attention, il soit prudent. Il est dans la compte de ça. Thank you.
Madame, je vous ai fait un peu de temps. Absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité, le suffrage le plus âgé est déclaré élu. On va constituer le bureau. Il nous faut deux assesseurs. Qui est assesseur? Chabela.
appeler nominativement pour voter. Donc, je vais faire l'appel à candidature. Qui est candidat au poste de maire ? Son chef initial candidat. Je n'ai pas son candidat ici. Madame Élodie Desabé est candidate. Candidat. Monsieur Pascal Schwartz est candidat. Je vais laisser la parole à la première candidate pour qu'elle présente sa candidature et son projet. Je souhaite faire les choses sobrement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut régulariser une situation, mais je ne sais pas forcément pouvoir faire une bonne déclaration. Je suis candidate pour poursuivre le travail entrepris au sein de l'équipe. Merci, Madame Sanchez. Alors déjà, je voudrais tous vous distribuer la charte de l'élu parce que je pense que c'est bien. Si vous voulez faire passer, allez, j'arrête. J'ai été donné à l'installation du conseil municipal. J'avais bien. Ça s'est donné déjà la dernière fois. On peut la redonner. C'est pas légal. Si, si, mais ça l'a déjà été. Oui, mais on recommence. Il y a eu une décision de justice aujourd'hui. Dans l'instant T, aujourd'hui, vous êtes plus maire, vous êtes candidate. Donc, la charte, on peut la rappeler. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Probité. Non, en tant que doyen, je lis la charte. Dans l'exercice, et je leur donnerai la parole. Elle a cité et je pense qu'elle a eu une bonne initiative de nous rappeler qu'on était un nouvel élu. Ça a été lu lors de l'élection. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser une conflit d'intérêt lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant, dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Je vous donne la parole.